Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour the 14th episode de notre aventure sur Far Cry 3, bien évidemment. Souvenez-vous, nous allons faire une embuscade pour libérer des prisonniers. Voilà, et donc on va aller parler ici, juste à côté, au chef des Rakyat. On s'était quitté là alors qu'on avait conquis 3 bases. 3 avant-postes, voilà. On est vraiment trop fort, regardez, il y a plus de vert que de rouge. Formidable. Allez, on y va, on va parler au chef des Rakyat. Des Rakyat. Et vous savez quoi, on va appeler ça des racailles. Hein, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Oh, oh, c'est beau. Un bon début d'épisode. Aïe. Et c'est la mort qui t'a assassiné, Mathias. Très excité aujourd'hui, très content de vous retrouver, hein, vraiment. Je passe du bon temps. Du matin au soir, c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues, là au moment où je tourne, c'est le soir. Et je vais continuer une belle session, je pense qu'il voilà, il va faire nuit quoi, hein. Enfin il fait déjà nuit, mais je veux dire jusqu'à minuit je vais jouer à mon avis. Sachant que dans la matinée j'ai déjà bien joué. Enfin bref, je suis accro au jeu. Mais par où on saute? Voilà. Ce qui peut expliquer donc que je fais pas de live ces temps-ci forcément. Comment on rentre? Eh bien voilà. Bonjour, on est dans une église ou quoi? Ah oui, mais ça m'a tout l'air d'être une église. Put your hands up! Put your hands up! Ok tout le monde, à vos positions! C'est bien que tu sois là, Jason. Le convoi de Vass va traverser la ville. On va poser des explosifs pour bloquer la route. Donne-moi le C4, je m'en occupe. Oh ouais. Eh, je commence à kiffer l'action, t'as vu? Je commence à kiffer quand ça pète. Je me dépêche. Je me dépêche, tout le monde est prêt pour l'embuscade. Hop. 40 secondes. Atteignez le sommet du château. Allô. Très bien. Salut Jason, c'est Lisa. Je suis occupé là, ça va? Je voulais te prévenir qu'on avance bien sur le bateau. Tu reviens quand? Je sais pas. Mais tu vas revenir, hein? Ouais. D'accord. A bientôt. Ils peuvent pas comprendre. Bah oui, pendant qu'eux ils préparent la fuite, nous on est en train de faire de la merde. On en a rien à foutre, on veut partir. Let's go. Ok, et eh ben on est prêt pour l'embuscade. On est prêt pour l'embuscade. Ça va être du joli, hein. Ça va être du joli. Restez dans le château d'eau. Le convoi est là. Ils sont là. Oh merde, c'était pas eux. Eh mince. Et je rate toutes mes balles en plus. Non, c'est pas vrai. Il y en a aucune qui est rentrée, frère. Non, mais arrête. Mais c'est ridicule, je sers à rien. Ah. Bon, eh, là c'est une blague. Mais c'est quoi ce sniper? Non, je vous jure, il me donne un sniper. Mon sniper à moi est beaucoup mieux. Mais je peux pas changer d'arme, les gars. Quel enfer. Quel enfer, dites-moi. Non, mais dis-moi que j'y rêve. Oh la vache. C'est insupportable. Je suis désolé, hein, messieurs, dames. Je ne sers à rien. Oh, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je peux pas changer d'arme là? Ah. Ah bah voilà. Ce sera peut-être un peu mieux. Oh la vache, non mais. Et là on se fout de moi, hein. C'est insupportable, j'en suis désolé pour ce gameplay. Bien sûr. Non mais ils sont trop nombreux, frère. Je peux pas descendre en vrai là. Ah non, je peux pas descendre. Ah si, j'ai mes autres armes. Sérieux là? Tu pouvais pas me le dire avant? Voilà. Le camion est en train de filer.
Monter dans le camion. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là le camion. Allez, on y va. Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Mais on va y aller. Eh, on a 2 minutes 30 le temps de monter dans le camion, ça va hein. Hop. Hop. Yes. Non mais en vrai c'est un scandale. Rejoignez le convoi. Allez. C'est un scandale hein, ce qui se passe hein. C'est j'ai pas les mots hein, pour vous dire ça dégage. Allez vous faire foutre. Donc là on a mené une embuscade avec plein de gens et je me retrouve tout seul. Et je vais être tout seul pour éliminer le convoi sans déconner. Merde, je pensais que je les avais shootés. Oh, meurs. Meurs. Sérieusement. Salut Jason, tu ne manquais pas? La folie, c'est faire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt, en espérant que ça change. Voilà ce qu'est la folie. Mais la première fois qu'un type m'a dit ça, je sais pas, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule, donc boum, je l'ai abattu. Le truc c'est que... Ok. C'était vrai. C'est là que j'ai commencé à voir partout, partout. Je regardais tous ces pauvres connards qui se remettaient sans cesse à faire la même putain de chose. Encore et encore et encore et encore sans arrêt. En se disant, cette fois, ça sera différent. Non, 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 pitié. Cette fois, ça sera différent. Excuse-moi. Je n'aime pas la façon que t'as de me regarder. Ok? T'as de la merde dans la tête ou quoi? Tu crois que je me fous de ta gueule ou que je m'en fous? Je t'emmerde, ok? Va chier! Ça va, c'est bon. Je me calme. Le hic, c'est que... Regarde. Le hic, c'est que je suis déjà buté une fois. Et je suis quand même pas complètement taré. Non, ça va. C'est l'histoire ancienne, maintenant. Est-ce que je t'ai déjà donné la définition? Folie. Ah, ah. Ah. Damn it! Au secours! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, mais on va s'en sortir. Ah la vache à la gigine. Allez, sauvez les prisonniers dans le camion. C'est pas fini, on est toujours sur le même objectif. C'est ça ce que j'aime. On est d'accord, hein. Plein le cul de se dégénérer. Va, ça a été trop bien fait et c'est pour ça qu'on a tous aimé Far Cry 3. Oh! Oh la vache! Oh la vache! Allez. On n'est pas là pour rigoler. Eh ouais, mais moi Jason, c'est un surhumain Jason, vous savez. Elles sont où mes armes? J'ai pas d'armes, frère. Bah j'ai plus d'armes, bah oui, c'est logique. Bah c'est logique, j'ai plus d'armes, je suis débile. Regardez bien. Regardez bien, monsieur dame. Hop. Donne-moi ton arme, toi. Ça m'intéresse pas. Voilà. C'est toujours sympa. Atteignez l'hélico. Ouah, je vais contourner. Oh punaise. Je sais pas s'il est tout seul. Regardez, ça va être du spectacle. Voilà. Allez. Bref, la voix off est incroyable. Le personnage est incroyable. Va, c'est incroyable. Malgré que ce soit un méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on a tous aimé Far Cry 3. Et vous aussi, pour ceux qui ont connu, ceux qui y ont joué. On se sait. Et il faut le souligner parce que c'est de toute beauté. Alors, comment on va faire? Le chien, il va nous causer du tort.
Attends. Je suis pas là pour gâcher des mules. Aïe. Bah ouais, je peux pas. Si, je peux me soigner. Ok, heureusement que j'ai mes points de compétence. Allez. Mais frère. Ok, bon bah ça sert à rien. Fallait me le dire que ça servait à rien de courir sur l'hélico, les gars. Frère, j'ai pas de RPG là. Je peux rien faire. Bah oui, mais face à un mastodonte, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de RPG. Non mais, je n'ai pas de RPG. En fait, ça n'a... Mais ça n'a aucun intérêt. Bah, je peux... bah vas-y, tuez-moi en fait. Genre, tuez-moi. Allez-y. Ça sert à rien. Je ne peux rien faire. Je n'ai plus d'armes. En fait, si j'ai pas d'RPG, je ne peux pas tuer un mastodonte. Par définition, dans ce jeu. Donc... Allez, en plus on recommence. Oh putain, mais quel enfer. Donne-moi ça, toi. Putain, quelle angoisse. Quelle angoisse. Hop. Voilà. Ça fait quoi? Hein? On se sent débile? Putain. Ça risque de très vite partir en cacahuète. Ou alors il faudrait que je fasse les choses correctement. Et... genre, on devrait trouver un RPG à quelque part ou je sais pas. Bon déjà il faut casser les alarmes. Suivez le camion. Faut couper les alarmes. J'ai une alarme là-bas. Le sniper il va me cramer, non? Ok. Alors là j'ai de la chance. Ok. Alarme toute désactivée, messieurs, dames. Voilà. Alors, est-ce que là, on va trouver quelque chose de sympa? Je sais pas. On va prendre notre temps. Et le mastodonte, je vois pas comment le fumer. Hein. Ah. Des munes. Des soins. J'ai pas d'armes. J'ai pas de grenades, j'ai rien, on est bien d'accord. Par contre j'ai de l'emplacement disponible, si jamais. Donc si je trouve quelque chose... Oh le bâtard. Bon bah je vais continuer d'avancer en vrai. Hein. Oh punaise. Oh la vache. Pas bien du tout, hein. Allez. Moi, c'est le mastodonte qui m'emmerde. Putain. C'est le mastodonte le problème. Y'a pas un RPG là? Ok, j'ai failli me faire défoncer. J'ai eu de la chance. Non mais le mastodonte, je vois pas comment le fumer. Hein. J'ai peut-être mon idée. J'ai peut-être mon idée, mais il faut juste que j'arrive à éliminer le sniper. Oh oui, je l'avais pas vu lui. Oh la vache. Est-ce qu'il a un silencieux? Non, il y a pas. Je pense que je peux éliminer le mastodonte par derrière, non? Je sais pas, hein. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'essaye, hein.
L'alarme elle est désactivée. Bon, faut que je fasse le sniper. Faut que je fasse le sniper, j'ai pas le choix. Là, y'a rien pour moi là. Que dalle. Non, tu m'as pas vu. Oh là 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 là, je suis tellement pas bien. Allez, je vais tenter mon coup, les gars. Je vais me faire défoncer la figure. Là, le but du jeu, c'est de le prendre par derrière, si ça marche. Qui est-ce qui nous fait, lui, maintenant? Attendez, faut être patient les gars. C'est qui tout double? C'est qui tout double? Allez, retourne-toi frérot, allez! Non. Frère, c'est trop. Bah oui. Ok. J'ai déjà donné la définition du mot voler. Ah! Non mais attendez, tout ça pour ça là, sans déconner. Comment tu ne peux pas aider ça? A dit le chat. We are all mad, nous sommes tous fous. Oui, je suis fou. Comment savez-vous que je suis folle, dit Alice. Vous devez l'être, dit le chat. Sans cela, ne seriez pas venu ici. Quel enfer! Mais il nous a fumé là! Il nous a fumé la gueule! Sympa, sympa. Oh la vache. Oh, je me suis chié dessus. C'était typiquement ce que je voulais pas voir. Non mais les gars, comment ça se fait qu'on arrive à résister à tout là? Pourquoi on résiste à tout là? C'est quoi ces histoires encore? Non, pas exactement. Dennis. Jeez. Dennis. Mais comment c'est possible? La chance.
chance te sourit, mon ami. Qui est-ce qui a fait tout ça? Vas, c'était en hommage à ta mort. Mais surtout pour plaire à Holt. Je suis loin d'être mort. Préviens Citra que j'arrive. Ok. Je vais lui dire tout de suite. Alors, on résume. On résume. Je dois reprendre mes affaires à ces pirates. Dans un premier temps, fumez-tu. Fumez-tu, mais avoir un briquet sur soi peut sauver la vie. Voilà, il faut savoir nuancer la chose. Deuxième chose, on a évité la mort 2-3 fois en moins de 20 minutes. Bon, on est quand même mort, mais tu m'as compris. Mais attendez, mais il y a un problème. On a fait du coup... on a foiré, en fait. On n'a pas pu faire le sauvetage de prisonniers, là. Tout le monde est mort, c'est insensé. Mais j'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes, en plus. Bah oui. J'ai plus d'appareil photo non plus. J'ai plus rien. On est où? Il y a un pylône juste là. Est-ce que j'y vais? Ah, bah oui, je peux y aller, c'est bon. Eh, même sans armes, j'y vais, moi. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. On reprend les bonnes habitudes, comme au début. Voilà, en fait, on recommence le jeu. Comment ça, vous quittez la zone de mission? Et j'ai pas le droit d'aller dans le pylône, là? Oh, mais c'est pas possible! Chercher de l'équipement dans le camp. Mais c'est pas possible, il y a des ennemis partout! Ah, ça va, je peux encore donner des coups. Mais je peux pas sortir mon appareil photo. Oh, bah oui, j'ai pas d'appareil photo, c'est infâme. Mais tout le monde a le zizi qui brûle. Hop. Ah. C'était peut-être pas le meilleur move. Je pensais pas que je me serais fait cramer. T'inquiète mon pote, regardez bien. Regardez bien, ça va aller très vite. Oh. Aïe. 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 Laissez-moi vivre. Mais c'est pas vrai. Mais éteins le feu, putain de bordel de merde. Oh, ça pue. Ça pue. Non, ça pue, c'est trop. Non mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est débile. Y'a un mastodonte encore là-bas, non? C'est débile. Non mais c'est débile, frère. C'est débile. Allez. Je sais pas où est mon équipement. Certainement pas ici. J'en ai rien à foutre de ça, mais dégage. Ah bah non, si, si, reviens. Eh, c'est un mastodonte, frérot. Ouais, c'est un mastodonte. Viens voir, frérot. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Voilà mon grand. C'est comme ça que ça marche ici. Quel enfer! Il y a un téléphone. Ah. Ah, la bonne heure, on récupère notre... Oh là 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 là. Allô? Jason, je dois te prévenir. Vass est un grand guerrier. Mais Hoyt est un vrai démon. De nombreux Rakiats ont tenté d'attaquer son île. Aucun n'est revenu. Un à la fois, Dennis. D'abord Vass, ensuite Hoyt. Tu racontes n'importe quoi. Même moi, j'en serais incapable. Tu sais ce qu'on dit, Dennis. Il faut une première fois pour tout. Plus facile à dire qu'à faire. Le docteur m'a dit que ton bateau était presque prêt. Tu partiras bientôt. Allez voir Citra. Ouais, moi je veux faire enfin ce pylône radio là. Pour comprendre où on est parce que je suis perdu. Non mais... Toujours plus. Qu'est-ce qu'ils font en plus? Saloperie. Allez, qu'est-ce que moi ça? Viens au rapport, comme on m'a demandé. Quelle merde. Messieurs, dames, préparez-vous pour l'enchaînement. Hop! Hop! Voilà! Bon, fini de rigoler là.
Je me suis pas mal énervé durant cet épisode également, je m'en excuse. Après, voilà, à un moment donné, il y avait quand même quelques moments exagérés, je trouve. Il n'empêche qu'on s'en sort, qu'on arrive à avancer. Et ça, c'est cool. Voilà, je vous le dis, parce qu'il y a des jeux... Oh putain, il y a des jeux où tu t'énerves et c'est difficile et t'arrives pas à avancer. Far Cry 3, je vous le dis, c'est une pépite, vous le savez, vous le... Voilà, à un moment donné, vous avez compris le délire. C'est une pépite, c'est... voilà, ça ne peut que être bien. Par contre, faut que j'arrête de me foirer. Ce serait pas mal. Voilà, on se concentre. Je suis censé aller où là? Voilà, vache. Ok. Vraiment, chaque pylône radio est unique. J'adore. J'adore, je valide. Grimper. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais... Mais les gars, foutez-vous pas de ma gueule. Ah. Ok, j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais je vais faire comme si. Bon, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Vraiment, hein, n'oubliez pas le like. Faut absolument m'encourager. Je compte sur vous. Je pense qu'en 20 épisodes, on a fini la série. Non, je sais pas en fait. Je me suis peut-être un peu enflammé. Je sais pas. Mais là, on a bien amorcé quand même le jeu. Au niveau scénario, en tout cas. Oh, donc ça, c'est vraiment sympa. Ok. Qu'est-ce que ça donne, dites-moi. On se retrouve avec le 12e, c'est ça, je crois, hein, de mémoire. 12e pylône radio. Une très belle vue. 11e, je me suis un peu enflammé. Ouais. 11e pylône radio, on est... ok, on est ici. Ouh la vache. Ouais. Et en vrai, bah oui. Hein. Bah, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il reste 6 pylônes radio, si je sais bien compter. Quelque chose comme ça. C'est pas mal. Et nous, on doit aller là. Donc, on va y aller de ce pas. Allez, c'est parti. On va refaire le plein de munitions également. Sait-on jamais? De toute façon, on va très vite voir... Ah, je peux pas faire plein de munitions ici. Ah bah oui, on est au temple. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller voir Citrate. On va aller voir notre ami Citrate. Et un jour, je serai sponsorisé par cette marque de médicaments. Je sais pas pourquoi, je la sens venir gros comme une montagne. Allez, Zeberdi. Ils vont me dire salut mon pote, on parie. Même pas. Ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils avec moi aujourd'hui. Très bizarre. Ça cache quelque chose. Bon, Citra. Va falloir arrêter de se foutre de ma gueule maintenant. D'accord? Laissez-nous. Le guerrier revient du royaume des morts. Je vous ai rapporté un souvenir. C'est le moment. Bois. C'est un poison pour les faibles. Seuls les plus forts peuvent y survivre. Suis la voie. Ici la voix. Bon bah on repart de nouveau dans un bad trip. Profitons-en. C'est généralement beau. Ok. Ah! Putain, ça m'a fait peur. Arrête. Ça fait peur. Bah oui, mais non, mais ça fait peur. Dégage.
Mais arrête, je vais mourir en plus, je vais mourir. Tu me fais peur. Ok. What? Oh! Arrêtez, s'il vous plaît, ça me fait. Bah, mais à un moment donné. Ah, mais soyez pas débiles. J'aime pas ce jeu. Hop là, deux pour le prix d'un. Ok. Allez, c'est bientôt fini là. J'aime pas. Arrête. Mais arrête, j'ai esquivé en plus. Arrête maintenant. Cesse tes idiots aussi. Battez le monstre d'encre. Comment ça, c'est de l'encre? Aïe! Magnifique. Allez, ça dégage. Mais je tire dans le vide aussi. Aïe! Aïe! Mais pourquoi? Mais ta tronche de cake aussi là. Hop, hop, hop. Paf! C'est abusé. Allez. Non mais à un moment donné il va falloir arrêter hein. Il va falloir arrêter. Je suis fort et puissant. Aïe. Arrête. Voilà le Bilal. Dis-moi qui je suis. Tu vis pour te battre. Chaque homme que tu affrontes succombe et mérite le triste sort que tu lui infliges. Tu portes le tatouage. Tu sens la jungle autour de toi. Tu es un Rakyat. Dans toute cette île, Vass et ses pirates réduisent en esclavage les corps et les âmes des Rakyat. Nos armes ne se tairont pas tant que Vass commettra ses crimes. Nous sommes les guerriers Rakyat et je vous guiderai vers la gloire. Eh ben, YouTube va pas être content de ce qu'il vient de voir et la copine... à Jason non plus. Waouh! Quelle histoire! Je viens te chercher, Vass. Revanche, on va aller sur l'île de Vass. On va le fumer, c'est ça? Attendez, montre-moi la carte là. Quelle est cette histoire? Ah ouais, d'accord.
Là, c'est l'île de Vas. On va aller lui fumer la figure. Ok, eh ben on va faire ça, les amis. On va aller faire ça dans le prochain épisode. Ah là là, je vous ai bien eu là. J'ai 4 points de compétence tout de même. On va se les donner. Ce serait con quand même qu'on termine... Oh ! Gagner une barre de santé en plus, il était temps. Du coup, les seringues médicales qui restaurent 6 barres de santé. Ça, c'est cool. J'ai encore 2 points de compétence. Trouver plus d'argent en fouillant les ennemis, rien à foutre. Améliorer la stabilité de l'arc, rien à foutre. Recharger les fusils d'assaut plus rapidement. Voilà. Ah, mais pas les mitraillettes. Bon, les snipers, c'est bien. Expert de la jungle, déplacez-vous rapidement lorsque vous êtes accroupi. Et bah alors là, les gars, je peux vous dire, regardez mon tatouage. Il veut pas montrer le tatouage. Attendez. Ça va, quoi. Voilà, il est beau, notre tatouage. Bon, bref, je suis déçu. Et bah, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Et à très vite pour... Je pense pas la fin, les gars. C'est pas maintenant que ça se termine, quand même. C'est pas possible. Bref, on va aller fumer Vas. Des bisous. Ciao tout le monde.